Et bon, entre la Coupe de France et le Mercato, apparemment, là, le proc, mais comme d'habitude, il aime pas ça. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que là, on va y avoir les deux streams en deux épisodes. Peut-être que pour la vidéo qui sera revenue en YouTube, je vais peut-être devoir. Peut-être devoir faire un montage du coup pour qu'il y ait les deux ensemble cette fois-ci. Donc peut-être que ça sera un peu plus tard dans la semaine pour le replay sur YouTube. Faudra que je voie comment je vais faire ça. À cause de la coupure. À moins que je fasse ça en deux épisodes, mais là il va rester 1 heure. Ouais, à moins que je fasse ça en deux épisodes. On verra ça. On verra comment je vais gérer ça pour le YouTube. Ouais, mais dans tous les cas, je pense que n'importe quel processeur de troisième génération, ça passera pas. Alors. Non, le syncope. J'ai eu un crash du stream à cause du proc qui supporte pas. Voilà. Ah, GG à l'SDP. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? 100%, 100%, 100%, 98, ouais. Dans quelle équipe type? Yago, Diop, Julien Moubanje, Doumbia, Blain, Luke Bakio, Trero, Bressoit, Delors. Donc il y a quand même l'équipe type. Isiaga Silla et Ninkov. Je vais enlever Ninkov et prendre Moussavou King. Milieu centre, Yann Bodiger. Non. Je vais plutôt prendre Akpak Pro. On va les regarder quand même ça. Akpak Pro pour ici, en 3, et Akpak Pro ici aussi. Akpak Pro est le meilleur choix pour milieu centre. Boigard en milieu offensif, centre comme d'hab. Somalia pour le côté. Corentin Jean à remplacer en attaque. On est ok. Et eh bien écoutez, c'est parti pour le match de Coupe de France. Allez, go! Go go go. Un 4-3-3. Ah. Ouais, c'est violent. C'est violent, c'est violent. Bamboula. Ouais. On va voir ce que ça va faire hein, contre un 4-3-3. Avec assurance. Je veux un gros match aujourd'hui. Hop, ok. Ok. Et ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec assurance, encouragé. On va peut-être essayer de demander, vu qu'ils sont avec 3 milieux centraux. De passer sur les côtés, on va d'abord voir ce que ça donne. Oula, un contre un qui passe pas, Braithwaite, c'est dur ça. C'est dur. Trero, non, ça passe pas non plus, c'est récupéré, ça c'est bien. Andy, ah non, Andy, est-ce qu'on va me faire des frappes à côté comme ça? Ça va pas le faire. Je vais quand même demander d'exploiter les flancs. Alexis Blaine, Trero. Eh ben voilà, bel péno. Amadou Konté, ok. Salut Teclerino, comment vas-tu? Ah ouais, quand même Matt, ouais. Ah mais vous avez pas. Est-ce que vous avez vu pour ceux qui étaient là sur le stream de Touma? Sur le stream de Touma, le joueur qu'on a trouvé et qui va être sûrement la recrue de tout le monde pour toutes les parties. Oh, c'est abusé ça, Ronnie. C'est abusé, c'est abusé. Je vais vous montrer après le joueur
sur lequel on est tombé, le niveau du joueur et son prix de son prix en fait. Il y a un gros bug par rapport à un joueur. Si vous voulez aller voir là, c'est pour ceux qui ont fait une nouvelle partie avec la mage. Hein. C'est quoi? C'est Alejandro Gomez d'Atalanta. Alejandro Gomez d'Atalanta, c'est. J'ai fait une nouvelle partie et je l'ai acheté pour 1700 euros. Voilà. Pour vous dire à quel point il y a des choses qui sont pas normales. À Atalanta Gargarine, Alejandro Gomez, le mec, il a un niveau de ouf et il est évalué à 900 euros par le club en début de partie. Où es-tu? Coccinelle, où es-tu? Et merci pour le follow Bababiche, bienvenue à toi. Ouais, je l'ai payé 1700 euros. Il est valu à 900 euros et je l'ai acheté pour 1700 euros en début de partie. Et comme vous voyez son niveau dans les Alejandro Gomez d'Atalanta, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. 7 tirs de cadré, mais on a des brêles devant quoi. Jouez le ballon dans la surface, s'il vous plaît. Voilà, donc ouais, déjà il monte pas beaucoup, mais début de partie, on va aller voir ce que s'il a bougé ou pas, mais moi je l'ai acheté pour on l'a montré avec Touma et tout ça parce que j'avais été choqué et il est évalué à 900 euros quoi. Allez Andy, oh là 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 là, merci Gargarine, merci. Ça correspond à quoi une pépite? À une presque pépite, Ronnie. 176, c'est 160. Le maximum d'un potentiel, c'est 200. Donc voilà, 167 sur 200, ça fait quand même un joueur qui est sûr de devenir international plus tard, quoi. C'est si ça rentre dans la tactique que met l'équipe nationale. Et ouais, c'est du gros joueur. Bon, on gagne que 1-0. On va plutôt dire ça comme ça. Attention, le 1, bien joué la forme. Bien joué, mais on gagne que 1-0. C'est quand même pas exceptionnel. Oui, Madrid Max. Oui, ouais. Je l'ai eu sur la partie là que j'en ai parlé. Je crois que c'était hier ou avant, je sais plus quand, sur le dernier stream de Touma, quand je l'ai découvert. Et après sur cette partie-là, je sais pas, mais ouais. On va aller regarder si je l'ai aussi sur cette partie quoi. Ouais, Gargarine, j'ai déjà vu, ouais. Mais moi avec Leipzig, j'ai un joueur qui a 198 ou 193, je sais plus, à plus de 190. Allez, c'est vous quoi? On va aller voir avant la deuxième mi-temps, on va aller voir à l'Atalanta. À l'Atalanta. Est-ce qu'ils l'ont vendu? Non, ils l'ont pas vendu. Alejandro Gomez, il est là. Alejandro Gomez, ah, 3,1 millions. Ouais, non, je l'ai pas là sur cette partie-là en fait. C'est pas, il a pas bugué. Il est évalué à 3,1 millions, on l'aurait presque ils l'ont monté. Voyons voir si je regarde. Ouais, non, voilà, il a une réputation actuelle à 6277. Donc non, mais sur cette partie-là, je l'ai pas, en fait, le souci. Mais sur le début de nouvelle partie, Alejandro Gomez, il est évalué à 900 euros. Rien que déjà, quand on voit ses stats quand même, que le mec, il est évalué à 3,1 millions, déjà, c'est un peu faible. Mais début de partie, il faut regarder, mais sur toutes les nouvelles parties maintenant, je peux aller vous le montrer ailleurs si vous souhaitez, mais après le match de sauvegarde, je vous montre une autre partie. Mais il est évalué à 900 euros, donc allez quand même jeter un coup d'œil, quoi. On sait jamais. Ouais, ben ouais, Yuzak, en vrai, mais c'est une erreur. En fait, quand tu vois, comme je suis allé voir ici, là. Le souci qu'il y a, c'est qu'ici, attendez que je retourne dessus. Alejandro Gomez. Ici, là, si vous avez l'éditeur, modifier attribut du joueur, en fait, ici, il a une réputation actuelle à 2000. Et ce qui fait qu'une réputation actuelle à 2000 le met une valeur très très faible. Il est là le problème, quoi. Ah ouais? Ben, c'est pas mal ça, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Allez, on va refaire la deuxième mi-temps. Avec assuré, je sais que vous êtes capable de faire encore mieux. Hein, c'est quand même
C'est quand même une équipe, c'est qui? C'est Sennard-Moissy. Donc il y a moyen quand même d'aller mettre une petite branlée à Sennard-Moissy, non? Ça serait bien, les gars. Ah, ils sont passés très axial. 4-1-2, 1-2. Bon. Ce qui fait qu'il faut qu'on passe encore plus sur les côtés. Il faut qu'on passe encore plus sur les côtés. On va essayer de mettre plus de rythme, on va passer en fluide pour voir. On va essayer de mettre encore un peu plus de rythme pour trouver encore plus d'espace. Allez, allez, allez. Andy, Braithwaite. Voilà, ça y est, c'est parti. Deuxième mi-temps, c'est parti. Ah ouais, c'est con, Gagarin, ouais. Quand on joue pas avec des ailiers, du coup. Bon. Le tour de Coupe de France devrait bien se passer. On va faire des remplacements. Hein. Andy 680. On va faire entrer Corentin Jean en attaquant avancé. Ok. Et Alexis Blain. On va faire entrer Akpak Pro. Voilà. Pour deux remplacements, Akpak Pro, comme ça, il a un peu de temps de jeu. Ça, là aussi, vous voyez ce souci-là qu'il faut mettre un coup de molette pour avoir les joueurs qui sont remplacés. Ça aussi, c'est pas normal. Et on va faire le dernier remplacement. Doumbia, parce que j'ai pas d'autres milieux centraux. Oscar Trérot, on va faire jouer Quentin Boigard, voir ce que ça peut donner un milieu offensif centre. Ah, sympa, ouais. Sympa, sympa. Corentin Jean. Luke Bakio, Boigard, oui, Luke Bakio, le 3-0, voilà. Bon, la Coupe de France, c'est réglé, on passe au tour suivant. On va essayer d'avancer un peu plus vite le tour de Coupe de France, là. On va pas regarder les ralentis, comme d'hab. Allez. Et Corentin Jean, Boigard, Corentin Jean, non. Corentin Jean, c'est une chèvre chez moi. C'est une chèvre complète. Hein. C'est quand même ouf, quoi. Je suis vraiment déçu de Corentin Jean dans le jeu. Enfin, sur cette save. Hein. Bon, et c'est réglé. On va voir le tirage au sort. On va voir si on a encore un tirage favorable ou pas. Voyons voir ça. Allez, le tirage de la Coupe de France. Mais j'étais déjà dans le vert, hein. Là, je suis sur 3 matchs sans défaite. Donc, non, Gargarino, je vais peut-être pas viser la Coupe de France non plus. Hein. On verra. Si on arrive à remonter au classement, qu'on est plutôt bien au classement et tout ça, on essaiera de mettre quand même un petit objectif sur la Coupe de France. Mais si jamais on tombe contre Monaco, un Lyon, un Paris, dans un tour, je pense qu'on oubliera la Coupe et on fera tourner et on mettra la priorité sur le championnat, quoi. Ok. Voir le tirage au sort. Allez, tirage automatique. Allez, un bon tirage ou pas? Montpellier, Concarneau. Ouais. Noisy-le-Sec ou Lille contre Ivry ou Lens. Ok. Monaco, Strasbourg. Donc, déjà, c'est pas Monaco. Amiens, Olympique, Alès, Cévennes. Saint-Louis-Nouègue contre Ajaccio. Il y a des petits encore qui sortent. Lusitanos. Niort, Metz, Nantes, ouais, deux clubs de Ligue 1, Clermont, Tours, ok, Auxerre, US Sarre Union, où ça sent du lourd, hein. Bordeaux, Guingamp, deux clubs de Ligue 1 encore, on va se taper du Ligue 1, on va se taper du Ligue 1, Nîmes, non de la Ligue 2, Toulouse-Nîmes, bon. Toulouse-Nîmes, il y aura peut-être moyen d'obtenir quelque chose. En tout cas, alors, il y a eu un Marseille-Lyon sur le dernier match. Non, il y aura Lorient-Paris, Nice-Lyon, non, Nice-Rennes, Lyon-Caen
et un Dijon-Nancy. 14 euros en 1 heure. Ouais, mais ouais, j'ai gagné que 3-0. Ouais, j'ai gagné que 3-0. Bon, on prend un club de Ligue 2 à domicile. Hein. Ils sont 8e en Ligue 2. On doit au moyen d'avoir de faire passer de faire quelque chose en Coupe de France au tour suivant. Ouais, c'est jouable, c'est jouable. Ouais. Résultat surprise des deux. Ok, entraînement. Je vais voir si on a foutu le match là. Non, ok, allez. Direction domicile, la réception de Nantes. Alors là, réception de Nantes qui sont 4e en championnat. Bon, on est actuellement, on a quand même le moral qui est bon. On a le moral qui est bon des joueurs. Voilà, ça, vous voyez, ça, coup de molette, ça repasse. Donc, on va quand même essayer d'aller jouer le 4-2-3 à domicile contre Nantes vu que le moral est bon. Là, le Madrid Max. Non, je suis à Toulouse. Soit on aura du cassoulet, soit un bon morceau, un bon 10 kilos de saucisse de chez nous, ouais, mais pas de bouteille. Continuez. On est lundi, entraînement. Donc le match il sera là. Le match il sera là. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. On verra ce que ça donne. On verra sur le moment. Plus on sera sur 3 matchs à domicile. Ok. Allez, on avance jusqu'à Nantes. Ivry-Lens, pour nos amis lensois. Est-ce qu'ils vont passer au tour suivant? Eh ben oui, mais au penalty. C'était chaud. L'arrivée de Van Beek, ouais. Ah, je vais les fermer là, ça me dérange, j'ai l'impression que je suis obligé de gueuler beaucoup plus fort, je reviens. Et re, messieurs. Alors. Nantes dans 3 jours. Coupe de la Ligue, Marseille-Lille, Paris-Bourg-Péronas. Ouais, Bordeaux-Lyon, Lyon-Bordeaux, Nice-Saint-Étienne. Ouais. Merci à Touma pour le retweet. Et Lyon qui passe, Nice qui passe, Marseille qui passe, et Paris qui perd contre Bourg-Péronas en Coupe de la Ligue. What the fuck? Au penalty. Ok, bon. Bon, moi, si tu veux le jeu. Allez, Nantes à domicile, quatrième, ça peut être un match compliqué. Hein. Parce qu'ils sont quatrième. Ouais, contre Bourg-Péronas, Madrid. Ouais. C'est bien ce qui s'est passé. Contre Bourg-Péronas. Au penalty. Moi, je pense qu'ils avaient fait tourner. Hein. Quand on voit que le buteur, c'est Nkunku. Ma chaise, c'est une chaise que j'ai achetée. C'est quoi déjà le nom du magasin? Bon, c'est pas Ikea. C'est une grosse enseigne.
Grosse enseigne de meubles, donc c'est pas spécialement une marque, mais j'ai acheté ça dans une grosse enseigne, pas très très cher non plus. Pas une marque particulière, je me souviens plus du nom de. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue en plus là. Au Conforama, je sais plus si c'était Conforama. Conforama, peut-être, ouais, Conforama, ouais. Conforama, peut-être, ouais. Ouais, c'est Confo, ouais. C'est à Conforama. Je peux essayer de vous trouver le lien de la chaise. J'avance en même temps. Ah ouais, je l'ai acheté à Confo, ouais. Elles en avaient vraiment des sympas, des chaises de bureau à Confo pour pas très cher. Ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Plutôt que de prendre des grosses marques là, avec des fauteuils qui coûtent hyper cher. Alors celui que j'ai exactement, je trouve plus, mais en fait, une centaine d'euros, je crois que je l'avais acheté. Ouais, une centaine d'euros, ouais. J'essaie de retrouver le modèle exact, mais. Ouais, non, ouais. Vous allez voir fauteuil de bureau Conforama, puis vous tournez, vous allez voir, vous allez en trouver des quelques chaises comme ça. Soit Confo, il y a tous les prix, hein. Ok. Ok. Ouais, Confo, 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 ouais. Disponible avec la réserve. On va y mettre Somalia quand même, au cas où que je le fasse pas jouer sur ce match-là, comme ça il jouera le lendemain. Allez, allons affronter Nantes. Bon, j'ai un peu peur quand même pour affronter Nantes. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Mais qui sont quatrième. Ils sont chauds, donc je sais pas trop ce que ça va donner. 4-4-2 à plat en plus. Ils vont venir pour me contrer. Donc ah ben voilà, en plus ça commence. Ça commence d'entrer. Ça y est, ils ne sont plus là. Voilà. Bon. Bon. Bon, bon, bon. Ben, alors, si on regarde actuellement, du coup, nous avons d'absents Diop suspendu, Moussaoui King, Doumbia, Yago, Akpak Pro, JCP, Toivonen, Durmaz. Ok. Bon, et ben, bon courage à moi, hein. Bon courage à moi, quoi. Ici Agassi, j'ai personne d'autre en défense centrale. Et bien non, Diop suspendu. Yago, Moussaoui King pas là. Yago pas là. Clément Bédos. On va prendre un jeune, hein, tant pis. On va faire jouer un jeune. Hein. 13 marquages, 14 tacles, 12 têtes. Ou Cachard. Et Cachard, il a un ton en dessous quand même. Je pense qu'il vaut mieux prendre Clément Bédos. On a Samy Larabi aussi. Samy Larabi. Ouais, le marquage est un peu plus faible. Je pense qu'on va prendre Clément Bédos. On va prendre Clément Bédos pour jouer défense centrale.
Tom Lartigue, c'est trop jeune. Oh, on va prendre Clément Bedos, hein. C'est génial. C'est génial. Du coup, Issiaga Silla, on va te prendre en remplaçant à la place de Bessilé. Issiaga Silla, Issiaga Silla, Issiaga Silla, il est où? Il est où? Silla, 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 Silla. T'es là. Le fils à Guy? Non, non, c'est pas lui. Du commerce de vente de bottes de paille. Ah, bien ça, LSDP. Non, non, je pense pas que ce soit le fils à Guy Bedos. Clément Bedos, information. Tu dois souvenir à Julien. Ouais, non, non, tu vois, il n'y a rien de. Il est de Cahors. Voilà, je sais pas si Guy Bedos est de Cahors, mais peut-être on peut faire le branchement, mais non, c'est pas son fils normalement. Ok, ça, c'est ok. Cyriex, c'est Blaine. Oh, j'ai pas autre chose que Cyriex, sérieusement. Cyriex ou Blaine, Pi blessé, Pac Pro pas là. Alexis Blaine, Cyriex. Ah, je préfère y aller avec Mathieu Cafaro quand même. Hein. Je préfère y aller avec Mathieu Cafaro. Un peu de jeunesse. Somalia, Trero, Luke Bakio, ok. Braithwaite, ok. Donc Michelin, Silla. Du coup. Andy Delors, ça sera pour un point. Yann Bodiger en milieu centre. Quentin Boigard, ok. Corentin Jean sur les côtés. Ok. Bodiger, il est là. Et à la place d'Alexis Blain, Bodiger, il est où? Il est là. Ouais. Allez, c'est parti pour la réception de Nantes. Ça fait peur, hein. Ça fait peur avec Bedos et Cafaro titulaire. Avec Michelin, Quentin Boigard sur le banc. Franchement, j'ai pas du tout confiance. Oui, clairement. Allez. Allez. C'est parti. On va prendre notre fessée à domicile contre Nantes. Nantes quatrième, quoi. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Sur 4ème, ils viennent quand même avec 4-4-2 à plat. Hein. Quand tu sors lancé du dernier match. Allez, je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en vous. C'est parti. Allez, c'est parti, assurance, encouragée, go! Et Cafaro, ouais, Trero, Braithwaite, ouais, Somalia, le petit centre. Ah, dommage, Alexis Blain! Oh, c'est à côté, Alexis Blain, bordel, au moins cadre-le, quoi! Cadre-le au moins, ce ballon. Bien Cafaro, bien Julien, ça revient dans les pieds, évidemment. Aïe. Bien joué la forme. Allez. Allez. Ouais. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Braithwaite, non, ouais, ben, pas trop mal. Ça serait bien qu'ils évitent de tirer de loin, quoi. Ça serait sympa. On va mettre le ballon dans la surface pour essayer de régler le problème. Parce que c'est 3 tirs, 3 cadrés, hein, quand même, Nantes. Donc, nous, on a fait 2 tirs, mais on n'arrive pas à rentrer chez eux à faire une occasion. Et là, ben là, il se réveille, Nantes. Il se réveille. Attention, gilet. Non, c'est bon. 4 tirs, 4 cadrés, nous, 2 tirs, 0 cadrés. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Allez. Allez, Blain. Blain. Ah, c'est encore au-dessus. 3 tirs, 0 cadré. Youhou. On va essayer de jouer un peu plus fluide pour essayer de trouver leur solution dans leur 4-4-2 à plat là, quoi. Putain, c'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Ouf, le coup franc sur la transversale, quoi. Oh là 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 là. Est-ce que la chance va être de notre côté là, vu qu'ils viennent de faire une balle transversale? Non, voilà, ça va centrer. But. Non, la fond est là, c'est bien.
On va l'enlever au niveau des dribbles, je pense qu'il vaut mieux. Allez. Allez, Cafaro. Allez, Trero. Braithwaite. Oh, mais non. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ait gagné un match avec des... Pff, putain, mais c'est horrible. C'est horrible, 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 quoi. C'est... Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça me pend des nez, de toute façon, quand on voit les stats. Putain. Oh là 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 putain, se procurer autant d'occasions comme ça, 6 tirs, 0 cadré, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils cadrent ces chèvres là? Passer, allez, utiliser le milieu de terrain peut-être. Putain, c'est pas possible ça, hein. Je peux rien faire. C'est oufissime, c'est oufissime, c'est oufissime, quoi. Je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus, quoi. Quand tu vois les mecs qui rêvent pas à cadrer un ballon, quoi, c'est... C'est ouf, t'arrives à te procurer 7 occasions et pas encadrer un seul, quoi. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Franchement, ça devient impossible. Impossible de faire quoi que ce soit. Allez, allez, là, encouragez, allez. Allez, allez, très rond. Oh, putain. Et voilà. Et quand on cadre, eh bien, il y a un gardien. Voilà. C'est. Franchement, ça, c'est démoralisant, mais au complet, ça. Hein. C'est horrible, 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 horrible. J'ai pas de MG. On va plutôt remplacer Moubanje, mettre Sylla. On va attendre pour Coran. Ah, mais j'ai fait mes trois remplacements là, comme ça. Non, je vais plutôt garder Somalia, faire entrer Sylla. On verra Corentin Jean à la place de Somalia plus tard. Allez là, allez, allez là, bordel. 9 tirs de cadré, quoi. Allez, faut chercher l'égalisation là. Allez, Andy! Oh, cette tristesse, quoi. Oh, ce tir de cadré, mais qu'est-ce que vous voulez gagner avec des chèvres pareilles, quoi? Même les meilleurs joueurs, ils sont incapables de cadrer, c'est dingue. Allez, Trirou! Oh là 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 là. C'est catastrophique. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment catastrophique. C'est produire un jeu comme ça. Qu'est-ce que je peux rien espérer? Je peux vraiment rien espérer de. Quoi, ça m'a fait mes trois remplacements? Ah, ben merde alors. J'ai même pas fait gaffe, j'ai fait trois remplacements. Bon, mais ok. Allez, réussissez à me chercher l'égalisation au moins, mais je l'ai même pas fait Corentin Jean, je l'avais refusé, non? Pourquoi il est sur le terrain Corentin Jean? Ah super quoi. On les a pas vu faire une seule action de deuxième mi-temps, une action, 2-0. Voilà. Franchement, c'est putain. Mais je peux rien faire au niveau des préparateurs pour faire quelque chose de plus intéressant, sinon on passe tout en moyen et on va encore avoir 36 000 blessés. C'est... Non, là, franchement... Putain, mais les 13 tirs de cadré à domicile, bordel! C'est nul à chier, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de... Je vois pas ce que je peux faire de plus, franchement, je vois pas quoi. Je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus, putain. Ouais, je sais qu'au tir, je suis à 2,5, mais qu'est-ce que je peux rien faire de plus. Je peux rien faire de plus. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'avais lu que j'avais pas vu. Putain, ça y est, là. Là, déjà, on va être mieux. Voilà. Enfin, on va être mieux, quoi. Enfin, on va être mieux. Putain. Pourquoi je l'ai pas vu que Stefanopoulos, je pouvais. Il avait rien. Ça m'arrangerait encore d'en avoir un autre quand même. Ça m'arrangerait encore d'en avoir un autre. On mettra fin sur la tactique. Bon, oui, il y a deux bèves, ouais. Ouais, il y a deux bèves, il y a deux bèves. Il est là. Il est pas dégueu de bève, hein. Il est pas dégueu, hein. 11 de partout quasiment. Ouais. En tout cas, voilà, là on repasse en attaque 4, 3,5, tir 3,5. C'est la tactique et le contrôle du ballon qui seront délaissés du coup pour cette partie de saison. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant. Ouais, ça serait bien que j'ai un autre entraîneur des gardiens pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant sur certains postes. Gardien, ça manquerait un peu. Et après, contrôle du ballon et tactique, il me faut vraiment un autre préparateur qui est nul à chier, même que je puisse se mettre sur tous les postes pour garder un léger. Et réussir à avoir quelque chose de plus intéressant en gardien et en tactique et contrôle du ballon. Ok. En tout cas, là, je réussis à avoir 3,5 en attaque et en tir. Ça va peut-être faire du bien. Ça va sûrement faire du bien. Allez, on va voir ça. Et re-Seb. Et re-re-re. Je comprends pas pourquoi Stefanopoulos, j'avais pas vu qu'il était sans rôle en fait. J'avais pas fait gaffe. Du coup, ça m'arrange quoi là. Du coup, on est passé partout en léger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a pu passer en 3,5 en tir et en attaque. Ça devrait faire du bien aussi. Maintenant, on va voir si on va voir les résultats devant quoi. Prochain match à Bordeaux, super. En tout cas, elle est dégueulasse la défaite contre Nantes là, faire autant d'actions et ça. J'espère, ça. Par contre, on sera sûrement sur une autre partie à 16h. Ça sera sûrement le multinational.
El Mokedem en prêt, non. Non, 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 je le prête pas. Ah, c'est sûr ça, c'est sûr Madrid, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Quoi qu'il le mène de moins en moins quand même. Hein. Il y a encore une chose que les médias n'ont pas encore repérée et que moi j'ai repéré à Toulouse, c'est que le coach du rugby et coach du pro foot portent le même jean rouge. Ça, il n'y a personne qui l'a fait qui l'a remarqué. Bon, on n'a rien à foutre, hein, mais ils portent tous les deux le même jean. Ouais, mais le problème c'est que je suis obligé de mettre comme ça pour avoir pour l'avoir en léger ici en fait. C'est ça le problème, c'est que si je suis pas en léger, j'augmente le risque de blessure. Donc je suis obligé de mettre de plein de préparateurs sur tous les postes pour abaisser le niveau et l'avoir en léger. À la limite, il y en a même que je peux enlever. Tu vois, dès que j'en enlève, ça passe en moyen et du coup, c'est pas bon quoi. À la limite, ici, t'as vu, là, j'ai pu passer en léger, mais dès que j'en enlève un. Le but, c'est quand même d'avoir tout en léger ici, en fait. Ouais, mais je peux pas en recruter, Seb. Ben, meilleur entraîneur en tant que gardien, il me fait du 3,5 quand même, Biancarelli. Il a 16 en gardien. Donc, trouver meilleur entraîneur des gardiens, 16, c'est déjà pas mal. Hein. C'est juste que je suis obligé de le mettre sur les deux postes, parce qu'après, je pourrais mettre, à la limite, je pourrais mettre Barriac sur le deuxième, mais vu que j'ai pas un deuxième entraîneur de gardien, eh ben, pour l'instant, je suis emmerdé, je suis obligé de lui donner les deux rôles, et du coup, ça baisse ce niveau d'étoile. Mais sinon, il a 16 l'entraîneur de gardien. Et le problème, c'est que au niveau du staff, je suis plein en préparateur et que les dirigeants, ils me proposent pas de passer, de prendre, d'augmenter le nombre de préparateurs. Donc du coup, je suis totalement bloqué là-dessus. Ah ouais, non, non, moi je me mets pas en lourd, je reste en léger. C'est le mieux en léger. C'est quand même le mieux. T'as pas les joueurs qui râlent pour l'entraînement d'être en très lourd, lourd ou moyen? Ben là, Madrid, il est déjà à 16. Je vais pas virer un entraîneur qui est à 16. Ça changera rien. Après, j'aurai toujours qu'un seul entraîneur de gardien. Je serai avec le même problème. J'aurai exactement le même souci. Ça changera rien, rien au truc. Hein. Il me faut deux entraîneurs de gardien et pas un. Salut, Diouf. Comment vas-tu? J'aurais exactement le même souci. Ouais, Paris qui perd encore, ouais, c'est la crise, ouais. El Mokedem, non, je ne prête pas El Mokedem. Je ne le prête pas. Entraînement, hop, ok, priorité. Défense faible, placement défensif, combinaison offensif. Ok, les joueurs sont contents. Ouais, si j'ai plein de préparateurs en réserve, hein, mais je vais pas toucher les préparateurs de la réserve pour en mettre un ici. Non, 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 je vais pas me faire chier à ça. Je vais pas me faire chier à ça. J'attendais d'avoir une autre place, quoi. Ben, on est un peu dans le dur, comme d'habitude, Aïdjouf, voilà. Ah, il nous en reste plus beaucoup, là. Il nous reste Durmaz, Toivonen et JCP, hein, en blessure. On est en pleine période de Cannes, donc du coup, on a 4 joueurs en moins aussi. Ça commence à diminuer, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est vraiment pas encore ça, avec Toivonen et Durmaz jusqu'à la fin de la saison absent. Je suis vraiment dans la difficulté, il me manque vraiment deux bons joueurs là. Toivonen et Durmaz là, c'est vraiment. Durmaz, je sais que sur mes parties, quand je l'ai à chaque fois, c'est lui qui me débloque tout, quoi. C'est lui qui me débloque tout. Un très bon tireur de coup franc, Durmaz. Voilà,
Il manque vraiment, vraiment dans mon effectif là, donc c'est un peu compliqué. En plus de ça, mes joueurs devant, je viens de faire un match contre Nantes, on fait 13 tirs de cadré. C'est horrible. C'est vraiment horrible, horrible, horrible en ce moment. Rien d'intéressant. On va essayer d'aller faire quelque chose à Bordeaux. Ouais, Franco-Burkinabé là, front, ouais. D2 chinoise, t'atterris. Bah, bon courage. Bon courage, bon courage. D2 chinoise. Dur quand même. Hein. Grigo. C'est quoi? Ouais, c'est Vincent Thiel. 2,5 millions à Tottenham. Ah, et ben dis donc. Eh bien, dis donc, à 16 ans, tu pars déjà à Toteux? Ouais. Dans 2 jours. Non, tous indisponibles. Goïko, tu vas y aller quand même. Ok. Ah oui, ouais, au final, ouais, pour passer le diplôme, c'est pas mal, ouais. Pour passer le diplôme, j'avoue, ça peut être un bon plan, ouais. Ouais, Vincent Thiel, c'est un super joueur d'avenir, ouais. Pour Doumbia sous le maillot du Mali. Parlez à Doumbia. Visité pour votre premier but en équipe du Mali, tant que vous parvenez à vous mettre en position de marquer, les buts finiront par venir. Merci. Voilà, ceux qui arrivent à marquer des buts, ils sont pas avec nous. Nantes-Paris, est-ce que ça va continuer à être la crise? Ah, Nantes est devant Paris. Hein. Le match Nantes-Paris, 3e contre 4e. Quelle affiche! Quelle affiche, messieurs! Allez, Paris qui gagne. Ok. Ah putain. Oh là 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 là. Allez, allez, on arrive au match contre Bordeaux. Le rival, derby de la Garonne. Peut-être le dernier match avec Toulouse pour aujourd'hui. Ça va faire du bien. Derby, derby. Nous ne sommes pas encore des plus importantes que ça la rencontre. L'importance de ce match n'est pas démontrée. Je trouve surprenant l'attitude négative de Montagnier. Une victoire compte toujours pour les supporters. Ouais. Essayez de mettre la fessée et de pas en prendre une si possible. Chelsea, Inter, Manu, Tottenham, et là je vois Ajaccio qu'il veut. LOL. Ouais, mais la Chine, c'est abusé pour ça. C'est vraiment abusé, quoi. Lyon-Marseille. C'est quand même plus la crise à Marseille que à Paris. Hein. GG Gargarine. Quoique Bordeaux est 19e. Bordeaux 19e, il y a moyen qu'on aille les titiller quand même. Oh putain, ça drop. Je sais pas si vous m'avez entendu, du coup, ouais, Bordeaux 19e. On va essayer d'aller titiller Bordeaux pour voir si on peut obtenir quelque chose. Bordeaux qui est 19e. Marseille qui a commencé sa remontée. T'es Marseille, t'as un point de nous avec la saison qu'ils font, quoi. Oh là là là. Merci à Ijouf pour le retweet.
Le poste à Caen, laisse Dupraz de marbre. Ok. Alors si Dupraz, si tu trouves pas de club, ça m'arrange en fait. Comme ça, je garde mon adjoint. Allez, déplacement à Bordeaux. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose à Bordeaux, ça serait bien. 4, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Ninkov, Diop, Julien Moubanje, ok. Somalien, meneur de jeu en retrait, t'es sérieux? Siriex, Cafaro. Ben ouais, de toute façon, j'ai pas autre chose, je vais dire avec Cafaro, ouais. Du coup, mieux offensif droit. Je préfère utiliser Somalia. Traoré-Braithwaite. Ouais. Et c'est qui qu'on a viré du coup? C'était. Qui c'est que j'ai viré? C'est Luke Bakio qu'on n'a pas. Du coup, tu me dis quoi? Ça me dit Silla Michelin, milieu centre, un défenseur central. On a que Bedos. Clément Michelin est fatigué, du coup, on va prendre Bedos. Bedos. Clément Bedos, il est là. Défenseur centre, milieu centre, Bodiger. Milieu offensif centre, Quentin Boigard, 77, il a joué. Lambezat. Ah, du coup, on va prendre deux milieux offensifs, droite et gauche, entre Corentin Jean. Et Luke Bakio, ok. Et devant, Driss Khalid. Ah, on va prendre Driss Khalid, hein. Allez. Oh là là, c'est catastrophique. Mais vraiment, vraiment catastrophique. Allez. Allons à Bordeaux comme ça. C'est parti. Ah ouais, on me l'a déjà fait, Idjouf. Il va négocier de l'or. Non, Madrid Max, il va surtout en fait me piquer mon adjoint. Bon. Assuré. J'attends de bien meilleures prestations sur le terrain aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va quand même essayer de demander pour voir au début. Ouais, non, je vais pas vous donner de consignes de placement. On va y aller comme ça. Ouais. Dommage. Allez. Assurer, encourager, allez. Bon, ils sont 19e. On devrait réussir à prendre le dessus sur eux quand même. Allez, Somalien. Merci Todim. 5 viewers. Pas mal. Heureusement qu'il est hors jeu, Jérémy Ménez là. Et on peut remonter à la 9ème place. Non, 25, 27. On a moins de 3. On va se faire bouffer par Bordeaux. Bien joué la fond. Bien joué. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à trouver la solution. C'est super. Galtier viré de Sainté. Allez là. Allez. Andy qui tente de loin, ça passe pas. Deux tirs, zéro cadré. Allez là. Allez. Oh,
Ça, on va pas l'inquiéter comme ça, Carasso, hein. On va pas du tout l'inquiéter. Ouais, ça c'est bien. Allez, Andy, Trero, non, 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 perte de balle. Ça va être récupéré, oui, c'est bien. Bon, défensivement, on n'est pas trop trop mal. On récupère pas mal de ballons. Allez, 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 là, allez, 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 allez. Oh, Trero qui passe, c'est bien. Braithwaite, Andy et le péno. Bon, pour l'instant, les meilleures actions qu'on a, c'est des pénaltys, quand même. Ce sont des pénaltys. Allez, Palois qui prend son jaune en même temps. Allez, allez, Trero, tu le mets sûr, tu le mets. Oui, voilà, c'est bien ça. Ça va faire du bien déjà ce résultat. On passe dixième. On passe dixième. Alors pour attraper Bastia, la différence du but, il faudrait que je mette encore 5 buts. Ouais. Ouais. Ça m'étonnerait que ça soit le cas. Hein. Allez. Donc deux défenseurs centraux, un jaune. Ok. Pas tellement mis de faire de changement particulier. En fait, les deux équipes se maîtrisent totalement. Enfin, on a encore une de nouvelles actions, donc ça c'est bien. On a quand même pris le dessus sur Bordeaux sur cette première mi-temps. Donc continue sur ce rythme. Ils sont passés en 4-4-2. Ah. Ils sont passés en 4-4-2 à plat. Alors la dernière fois, c'était contre Lorient qui nous ont fait le même coup et finalement ils ont gagné 2-1. Andy, non, ça passe pas. Du coup, est-ce que on passe en plus défensif, sachant que quand j'ai joué la dernière fois contre un 4-4-2, j'ai mis 4-1-4-1, c'est pas passé. Est-ce que du coup, on tenterait le 4-5-1? Mais bon, pour l'instant, on a l'air quand même de plutôt ne pas s'en sortir en 1 contre 1. Voilà, ils ont mis beaucoup plus de défense. Bien joué, Julien. Bien joué, bien joué. Peut-être des consignes d'arrêter d'exploiter plutôt le milieu de terrain. Et voilà. Et voilà, putain, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, bordel! Putain, c'est pas possible ça! Changement de tactique et ça y est, on se fait baiser d'entrée quoi! Putain, mais c'est pas possible! Maintenant, je vais. Ok, changement de tactique, faut aller pousser pour aller chercher quoi! Putain, on va pas réussir! C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Allez, allez là, allez. Y a pas péno là sur Somalia, non? Ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. J'avais dit qu'on en parlerait tout ça, mais bon, pour l'instant, personne m'en avait parlé. Il a dû y avoir une conférence de presse donnée cet après-midi pour annoncer officiellement. Du coup, je sais pas trop ce qu'elle a donné en détail, mais j'avais lu ça sur l'équipe ce matin. C'est surprenant. Personne ne s'y attendait. Maintenant, il faudrait que je lise de voir ce que les deux présidents ont dit pour comprendre un peu plus la raison de cette fusion, quoi. Allez là, allez, allez, allez là. Mais soit ça passe. Mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Putain de merde, putain. Ouais, non, mais là, le jeu, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Putain, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs, ils passent sur une tactique en contre, et qu'est-ce que je fais? Moi, je passe de nouveau aussi en contre, on voit un jeu dégueulasse. Non, quoi. Mais non, mais non, mais non. Ben non, c'est plus logique une fusion entre les deux clubs basques qu'avec les deux clubs parisiens, quoi. C'est pas logique parce que c'est les deux derniers champions de France. Voilà, quoi. C'est un des plus beaux derbies de France. C'est complètement con, quoi. Allez, Somalia. Allez, un bon centre. Allez! Oh putain, mais c'est des brêles devant. Ah, vas-y, ça me gave, ça me gave, ça me gave, putain. Ah, ouf, Trero. Trero, 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 quoi. Heureusement qu'il est là, lui. Hein. Heureusement qu'il est là, Trero. Il parle de boycott par les joueurs du Stade français, sérieux?
Alors Steve, une carrière live band, une carrière où c'est qu'on fait aucun recrutement, on doit utiliser le centre de formation. Allez, allez là, allez, 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 très gros, Somania, oh Somania, faut pas la rater celle-là, bordel. Bordel, 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 Ninkov, putain, plus on a rien pour remplacer un DD, quoi, super. Braithwaite sur le côté, c'est nul. On va mettre Luke Bakio et Cafaro. Faut que Yann Bodiger. Allez, parce que Bodiger, si je remplace par Blaine comme ça, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est du kiff-kiff. On va plutôt laisser comme ça. Plus bien, c'est le rachat du Stade français par le Racing, d'accord. Dans l'oncle, la mort de notre club. En rage sur Facebook, le deuxième ligne de 23 ans, natif de la capitale est formé au Stade français. Ouais, je vais lire ça. Ok. Ouais, pas tout à fait quand même, comme si Paris rachetait le Paris FC, c'est pas tout à fait quoi. Ouais, mais ça c'est les réactions, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Ouais, non, mais ça, je m'en fous de ça, moi. Je m'en fous de qui râle ou qui râle pas. Moi, ce que je veux, c'est le discours des deux présidents, voir ce qu'ils disent, quoi. Toulon-Bayonne? Ah ouais, ils ont pris de sacré branlé, Bayonne, ouais. Un peu plus que Clérigneau, ouais, peut-être, ouais. Aussi, ouais, plutôt aussi, ouais, Atlético Madrid qui se faisait racheter par le Real, ouais. Bon, on a fait des changements. Il reste du temps encore pour aller chercher ce troisième but. Ouais, j'ai envie de voir, moi, exactement ce qu'ont les discours des présidents, quoi. Voir ce qui a été dit et pas ce que disent les joueurs pour l'instant. Je regarderai ça plus tard. Pour l'instant, j'aimerais bien voir les avis de. Enfin, exactement ce qui a été annoncé, quoi. Pour quelles raisons, pour quoi que ce soit. Parce que juste les réactions des joueurs ou des gens sur Twitter, je m'en fous un peu. Alors attendez, je reviens.
Désolé. Désolé, désolé, désolé. Allez, on peut repartir. Putain. Je joue quoi? Je joue le 2-2 ou quoi en fait, hein? On va passer en 4-5-1, on va jouer le 2-2, hein? On va jouer le 2-2, c'est pas possible. 10 tirs, 3 cadrés encore, quoi. Ah, vous savez quoi? On va jouer le 2-2, c'est pas possible. Ah, vu les résultats que je fais, on va pas prendre de risques, hein. On va jouer le 2-2. Là, on a encore moins de choses. Oh là 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 là, putain. Putain, ce maillage, j'ai rien d'intéressant à pouvoir mettre en MD. Bon, bah, on va laisser ce maillage là, hein. On va le laisser là. Dédé non plus. Diop. On n'a pas pris de défenseur si on a Clément Bedos, quoi. Putain. Non, 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 du coup. Voyez là, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? On a. Voilà. Ce bug d'affichage aussi est chiant. Corentin Jean. Et on va te mettre en attaquant avancé. Ah mais je ferme le jeu, je ferme le jeu, hein. Là, quand on voit les actions que je suis en train de me prendre et tout ça, les mecs ils sont en 4-4-2 en contré, quoi, je suis obligé de me foutre en tactique de contre également, quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, allez. Mon truc du caractère là, allez. C'est vraiment n'importe quoi. C'est horrible de devoir jouer comme ça là. Allez, Jean. Oh putain, Jean, au moins t'aurais pu nous marquer. Et voilà, et Carasso qui sort les arrêts à la fin du match. Ah là 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 là. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Allez. Allez là. Allez, 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 allez. Allez. Allez, Corentin Jean. Ah non, c'est à côté, c'est à côté. On est en train de jouer un 2-2 à Bordeaux qui sont 19e. Oh! C'est ouf! C'est ouf, c'est ouf ça! Bien, Triro. Allez, Corentin Jean, allez! Pas tout seul, pas tout seul, pas tout seul. Voilà, Bling, allez, tu l'as vu. Allez, tu l'as vu, Soumania, il y a Pénon! Corentin Jean! Mais oui! Mais oui, Corentin Jean, quoi! Ah, il n'y avait pas la faute sur. Ouais, non, il n'y avait pas la faute sur Somalia. Heureusement que Corentin Jean, là, il revient. Hein. Mon Dieu! Pouf! Allez, 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 encouragé. Attends, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. Bien, Luke Bakio. Allez, allez, allez. Bodiger, Corentin Jean. Allez, faut aller dans la surface, les gars. Dans la surface, les gars, pour le centre. Pour le centre! Oh, l'arrêt de Carasso sur Somalia. Non, il se la met à côté, c'est considéré à côté. Oh, mais lol, quoi. Qu'est-ce qu'il rate, Somalia, du coup? Oh là 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 là. Oh là là. Oui, eh bien, Trero, ça. Non, ça passe pas, ça récupère. Allez, Corentin Jean. Ouais, non mais là tu l'envoies au charbon, Somalia, là. C'est bien joué, mais tu l'envoies au charbon. Allez, Somalia. Allez. Allez, Boudigère, allez, allez, les gars. Pour sauver, là, un deuxième à la fin du match. Allez. Allez. Allez, Corentin Jean, Luke Bakio. Corentin Jean, non, Blin, Luke Bakio. Somalia. Oh là, le double poteau. Oh, le double poteau. Le double poteau de Somalia. Mais non, mais non.
Mais non, le double poteau de Somalia et Bordeaux qui fait un poteau derrière aussi. C'est quoi cette fin de match? C'est quoi cette fin de match, quoi? Bien joué la fond, c'est bien, c'est bien. Allez, il reste moins d'une minute là, allez. Je vais me faire avoir, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Non, Bieninkov. Allez, là, il reste 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Le double poteau comme PSG Nancy. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, bien joué la fond. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Siffle, siffle, siffle! Merde, il reste encore 10 secondes. Putain! Allez, allez, allez. Eh bien, dis donc, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, quoi. Somonia qui prend un 6-2, quoi. Ça, putain. Oh là 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 là. Ouais, je pense bien, Aïdjou, je pense bien faire ça, ouais. Ah, il est 4h. Il est 4h. Est-ce que Monsieur Oufti est là? Est-ce que Monsieur Oufti est là, est présent? Est-ce qu'il veut faire du national? Ou alors est-ce que je vais jusqu'à 17h? Mais en tout cas, ouais, c'est une victoire qui fait du bien, ouais, Syncope, hein, putain. Oh là 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 là. Trérot en grande forme avec deux buts. Alors Trérot, c'est celui qui est en train de sauver la maison actuellement. Maxime Blanchard de Sud Radio. Inter en entente avec vous. Comment réagissez-vous ces dernières déclarations? Ça peut un peu de mal à accepter ce résultat. Quant à moi, je n'ai aucun problème avec lui si ce n'est le fait qu'il est à la tête d'une équipe qui fait partie de nos rivaux. Voilà. Montagnier présente ses excuses aux supporters. Bonjour. 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 Bon. Eh ben écoutez, donc il y aura deux épisodes. Ça sera fait en deux épisodes. Je sais pas encore si je ferai le montage ou si je mettrai les deux vidéos en disant une sur deux et deux sur deux pour les vidéos sur YouTube. Mais on va sauvegarder. Mais écoutez, Oufti est arrivé. C'est moi. Ouais, voilà. Ouais, Toto, ouais. On fait une partie en ligne. Le stream va se couper. Il va revenir en tout cas, mais je vous remercie déjà. Moi, je pars pas, je reviens, hein, vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette partie-là de Toulouse, hein, avec le Liban. Comment dire, c'est toujours aussi catastrophique, mais les résultats sont un peu meilleurs. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. On verra sur la deuxième partie de saison comment ça va se passer, mais ouais, on va continuer de lutter. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Prochaine fois que c'est Toulouse, ça sera normalement mercredi, si je suis motivé à streamer comme d'habitude. Mercredi pour la suite de ce live avec Toulouse. Allez, je vais vous laisser là. Et je vous dis à de suite pour le multi avec Oufti. À de suite.